La petite, là, c'est Kaline. Derrière, il y a Red Bull. Après, on a les deux comptoirs, Lucky Luke et Pacha. Après, la petite ponette noire, la ponette de mon fils, c'est Wally, un petit poney Shetland. Et le grand séchon, là, c'est un trotteur qui s'appelle Sacha. Voilà. Donc, ils font tous le ski joring, sauf Sacha, parce que lui, il est trop sportif. Là. Dans une autre vie, Christophe André était guide d'haute montagne et secouriste. En 2006, sa vie a basculé par passion pour les chevaux. Ah ouais, celui-ci, c'est le chouchou, celui-ci, c'est mon chouchou. C'est le cheval avec lequel je fais du débardage. Il est capable de tout faire, celui-ci. Il tire du bois à l'automne, il fait de l'attelage, il est monté. Et il fait du ski joring. Au pays du Mont-Blanc, c'est Christophe qui a relancé cette activité, tombée en désuétude depuis les années 50. Une discipline ancestrale qu'il prépare à l'ancienne, c'est-à-dire en damant, sans machine. Tu vois, l'hiver, quand le tracteur, quand il fait froid, je mets plus de temps des fois à démarrer le tracteur qu'à harnacher mon cheval. Et surtout, lui, il ne tombe pas en panne. Allez, marche. Gauche, marche. Allez. Ah, c'est un peu lourd la neige avec cette grosse poutre. Pour réaliser sa reconversion parmi ses amis à crinière, Christophe a dû passer le monitorat d'équitation. Allez, marche. Hey, allez, hey, marche. Une formation d'un an, pas facile à l'âge de 40 ans. Très dur. Bah, parce que je ne suis pas un cavalier à la base, alors voilà. Du coup, pour se mettre au niveau des jeunes cavaliers qui, eux, sont dignes de passer dans cette formation, moi, j'étais un peu... Mais qu'est-ce que le ski-joring ? Séquence découverte avec Clarisse, la jeune voisine. Derrière, un palonnier sur lequel on se tient. Deux manettes pour guider le cheval. Donc c'est tout à la voix, trois ordres. Pacha, marcher, il marche. Trotter, il trotte, il galope, il galope. Voilà. Ok ? Ça marche. Allez, Kaline, marche. C'est des comptoirs, alors c'est toujours un peu mou au départ, mais après, quand ils sont chauds, ça va. Allez. C'est ça qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est d'arriver à transmettre ce que je veux au cheval et d'avoir le résultat. C'est ça qui est passionnant. Après, c'est sûr que la sensation de glisse derrière le cheval, on a vraiment une sensation de puissance. Quand tu pars au galop, là, tu te dis waouh, à quelle vitesse je suis. J'ai pas eu peur, mais je pense qu'on peut avoir peur, mais c'est vraiment quelque chose qui est terrible. Ça fait de l'adrénaline en fait, c'est vraiment sympa comme sensation à avoir d'être là dans pleine forêt, d'avoir le cheval qui nous tracte et qui a l'air de prendre du plaisir lui aussi à galoper dans la neige. Christophe caresse désormais un autre rêve, celui d'un vrai centre équestre avec plus de 30 chevaux. Comme si la beauté et la puissance de ses compagnons lui avaient insufflé la force d'aller encore plus loin.